J'ai commencé à jouer l'orgue avec un batteur. Quand je suis arrivée en France, j'ai continué. C'était en 1968. J'ai continué et j'en ai eu des très chouettes, comme Daniel Humer, Teddy Martin. J'aime bien changer de temps en temps. J'aime bien la diversité. C'est sûr que j'adore jouer avec les filles. Les Lady Quartet, c'est formidable. Mais des fois, avec juste un batteur, parce qu'avec un batteur, on ne fait pas de setlist. Je joue, si quelque chose vient à ma tête, j'ai pas besoin de savoir si les autres le connaissent ou pas. Je peux démarrer comme ça, je peux jouer. Ça m'a inspiré le fait que j'étais en train de déménager. Et vraiment, c'est vraiment en haut de l'échelle de stress pour déménager. Et je me suis dit, pour le prochain enregistrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un blues pour le déménagement. Et j'ai dit à mes soeurs aux États-Unis, j'ai dit, je suis en train de composer un moving blues. Et elles ont compatible. Jusque maintenant, sans doute. Mais vous savez, c'est un peu comme les enfants, le dernier est toujours le chouchou. Mais d'abord, il m'apporte la jeunesse, comme les ladies d'ailleurs. Et il m'apporte sa passion pour la batterie et son talent, bien sûr. Et je disais toujours, quand j'étais mariée, je ne change jamais de mari, mais je change toujours de batteur. Thank you.